Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 9 septembre 2015, cette rencontre aujourd'hui entre le gouverneur de province et le consul général de la Zambie. Le contenu de leur entretien dans cette édition d'information avec Nuno Landou également. Dans ce journal, cet incendie survenu à l'entrée de la ville, un camion extra-long a pris feu suite à un court-circuit. Pas de perte en vie humaine, que des dégâts matériels qui ont été enregistrés. Le consul général de la Zambie, M. Davis Akwata, a été l'hôte du gouverneur de province. Une rencontre qui a eu lieu en la résidence privée de Moïse Katumbi ce mercredi. Je vous propose d'écouter le consul général de la Zambie qui est au micro de Nolando et Stéphane Tissot. C'est une rencontre de routine. Chaque fois, on est obligé de se rencontrer afin de voir comment est-ce que les relations vont de l'avant. Cette fois-ci, il y a deux points dont on a discuté avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et il y a quelques mois, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a perdu son grand frère. Et en tant que consulat, on n'était pas à même de venir assister aux funérailles parce qu'on était en Zambie. Et nous avons profité de cette rencontre pour lui transmettre nos condoléances au nom du consulat et du peuple zambien qui vit dans la province de Katanga, ainsi qu'au nom du peuple zambien. Le deuxième point dont on a parlé, c'est en rapport avec ce qui s'est passé à Kasumbalesa. Il m'a donné une mission. Le gouvernement provincial avait placé une commande de bus scolaires. But out of the fleet of buses that came through. Et le bus qui venait de l'étranger, parmi eux, il y avait quatre qui avaient connu des problèmes et ont été gardé à Kasumbalesa. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, m'avait demandé de pouvoir faire le suivi afin que les bus puissent être remis aux propriétaires. Après de longs entretiens avec les autorités sont chargées de la douane en Zambie, et les bus nous ont été remis. Et comme c'était une mission spéciale qui m'avait été assignée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, j'ai bon de venir lui faire rapport pour lui dire que les quatre bus qui sont à Kasumbalesa peuvent être maintenant transportés ou amenés ici. So on Wednesday next week, le mercredi de la semaine prochaine, nous allons pouvoir remettre les quatre bus au gouvernement provincial. That was the reason for our coming. Sinon, c'est ça même le motif de notre visite ici. Thank you. Et à peine que la mairie de Lubumbashi a instauré le sens unique pour faciliter et rendre fluide le trafic routier, de nombreux cas d'arrestation de chauffeurs ont été enregistrés. Le maire a convoqué donc d'urgence les membres de la commission urbaine de transport pour instruire ses collaborateurs à poursuivre d'abord la sensibilisation sur justement l'instauration de ce sens unique avant de réprimander les chauffeurs pour non-respect du code de la route. Maurice Mazel. Le soulèvement de chauffeurs inhabitués aux axes récemment devenus à sens unique et la série d'arrestations de ces derniers par la police des circulations routières a poussé le maire de Lubumbashi de présider la réunion à l'intention des membres de la commission de transport pour que cessent immédiatement les arrestations et de poursuivre la sensibilisation. Quelques avenues de Lubumbashi sont devenues aujourd'hui à sens unique. Le maire estime qu'il faudra une période raisonnable pour que les usagers de la route s'habituent au changement du code routier. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a déploré le désordre dû à l'instauration du sens unique. Nous sommes bien organisés à Lubumbashi dans les transports, parce qu'il y a les arrêtés, il y a tout est organisé, et puis vous êtes nombreux. Il y a des chauffeurs à l'Ikasi, ils pleurent. Il y a des chauffeurs à Kolodi, ils pleurent. Pourquoi il n'y a pas de problème? Ce n'est que si à Lubumbashi. C'est parce qu'il n'y a pas une cohésion. Et quand il n'y a pas une cohésion, il y a une incapacité de diriger les choses. Vous avez échoué. Commandant police, situation routière, c'est quoi? Au chapitre de la sécurité routière toujours, le maire de Lubumbashi a par la suite reçu Nicolas Ilunga Zandoki. Ce dernier a salué plusieurs innovations que l'hôtel de ville de Lubumbashi a prises pour permettre la fluidité du trafic routier à Lubumbashi.
Et un véhicule extra long a pris feu sur la route Ikassi au niveau de l'arrêt bus Gras à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Une panne technique sera à la base de cet incendie qui n'a pas causé de pertes en vie humaine, il faut le dire, mais des dégâts matériels ont été constatés, des documents et autres effets personnels qui ont complètement brûlé. Un reportage de Ben KMB et Consolat Kanja. Il était presque 10h30 quand le chauffeur du train immatriculé AJB1102T a vu la fumée commencer à s'échapper de sa cabine. Quelques minutes après, c'est une grande flamme qui va envahir, brûlant à son passage tous les documents et quelques effets. Peu avant l'arrivée des camions anti-incendie, quelques curieux ont pu séparer cette cabine de la cargaison qui transportait du poisson frais. C'était arrivé seulement à ce niveau que le chauffeur a connu qu'il y a eu une panne. Il est descendu, il a commencé à réparer. On a ouvert pour qu'il puisse entrer. Arrivé encore au niveau qu'il pouvait faire les manœuvres pour entrer, moi je l'ai vu descendre vite. Il a ouvert la portière et les feux ont déjà commencé. Heureusement que nous étions très nombreux à l'intérieur. Nous avons une quantité insuffisante d'anti-incendie pour nous là-bas. Nous les avons sortis et du sable. C'est en ce moment-là que nous avons pu essayer d'éteindre les feux qui entamaient déjà les conteneurs. Les camions anti-incendie venus de la mairie ainsi que de la SONA sont tout de même maîtrisés ce feu après plusieurs acrobaties. Cet incendie est intervenu pendant que le chauffeur effectuait des manœuvres pour entrer dans un dépôt afin de décharger la marchandise. Et les propriétaires de maisons détruites à hauteur du pont Kaloubwe, eh bien, ces propriétaires seront peut-être indemnisés. Une information livrée par des sources sûres de la mairie de Lubumbashi. La majorité de victimes détiennent leur titre de propriété en bonne et due forme. Consolat Kanja. Nous restons sur la route de Lubumbashi pour vous dire que l'office de voirie et drainage d'OVD vient d'achever un vaste programme de remise à neuf de plus ou moins 14 avenues du quartier Makomeno et les travaux s'achèvent sur l'avenue Cobalt qui part de l'avenue Likassi. Consola Kadja. La bretelle pour laquelle nous attendons un financement, bretelle à venir du cuivre, cadastre, Salama Ilunga Kasoke, qui doit déboucher sur le boulevard Katouba. Cette bretelle servira d'un raccourci pour tous ceux qui habitent Katouba ou Makomeno pour aller au golfe, et ça permettra aussi de décongestionner l'avenue Femme Katangaise aux aires de pointe. C'est aussi une occasion de lancer un appel aux autorités communales, surtout les bourgmestres, qu'elles puissent nous assister à s'approprier cet investissement combien précieux que le gouvernement provincial nous a légué, en évitant que les gens puissent constituer leur car wash sur les voiries. Thank you.
Et parlons économie à présent. Le prix du cuivre a augmenté hein, sur le marché international, a plutôt baissé sur le marché international. Une baisse de plus de 50%. Cette situation va sûrement déstabiliser les entreprises productives. Et cela à long terme. Ces entreprises peuvent même fermer leurs portes. L'économie nationale risque d'être touchée car le budget national dépend essentiellement du secteur minier. Un commentaire de Célestin Muganza. Depuis quelques mois, le prix des cours des métaux et particulièrement du cuivre a sensiblement baissé sur le marché international. Cette situation rappelle la crise économique mondiale qui avait frappé l'économie de la planète en 2008. Plusieurs raisons justifient ce déséquilibre de l'économie mondiale et surtout dans le secteur minier. La Chine, étant le plus grand acheteur du cuivre, connaît depuis un temps une chute très remarquable de sa bourse. En temps normal, une tonne de cuivre sur le marché international se vend à partir de 10 000 dollars américains. Il faut préciser que le prix du cuivre sur le marché international n'est pas fixé par le vendeur ou encore les entreprises productrices, mais plutôt par l'acheteur. C'est pourquoi à ce jour, la tonne de cuivre se vend entre 4 500 dollars américains et 5 000 dollars américains. Cette chute du prix du cuivre, estimée à plus de 52% par rapport au temps normal, serait aussi due, selon les experts, à une surproduction du cuivre entre 2008 et 2010. La Chine, étant le plus grand acheteur du cuivre dans le monde, s'est transformée en producteur avec l'implantation en Chine sur place des usines de production ou encore de transformation des concentrés de cuivre. Sur terrain, cette situation risque de déstabiliser plusieurs usines implantées en Afrique et particulièrement au Katanga. La plupart des usines qui produisent le cuivre risquent de fermer, assainir ou carrément envoyer en congé technique leurs agents. Malgré la baisse du prix du cuivre sur le marché international, le prix des réactifs pour la production du cuivre reste très élevé. Par réactif, il faut sous-entendre les éléments chimiques qui interviennent dans la production du cuivre. Les usines implantées au Katanga seront plus touchées par ce problème car elles traitent le cuivre soit par flottation ou encore par exsiviation. Voilà un mot de santé avec la célébration de la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. Une journée qui a pour but de sensibiliser sur les méfaits de la prise exagérée de boissons alcoolisées pendant la grossesse. Patricia Mauca. L'alcoolisme avéré, ça a des impacts d'abord sur le plan général du fœtus, ça crée un retard de croissance intra-utérine. Donc ça serait un enfant qui risque de sortir prématurément ou un enfant qui pourrait naître avec un faible poids et très fragile. Alors au niveau de son développement de son cerveau, ça sera un enfant qui aura beaucoup de pertes de mémoire, donc un enfant qui oublie vite. Alors, nous savons que dans les spermatozoïdes, justement, on peut définir les caractéristiques, en tout cas même physiques, de l'homme. Si c'est un alcoolique avéré, et dans sa sémence, on peut y trouver aussi un peu de ces substances d'alcool dans sa sémence et qui pourraient aussi avoir un impact. Et nous allons parler sport, c'est avec ce dernier message du président du Tout-Puissant Mazimbé qui a lancé donc un message de sensibilisation à tous les fanatiques des corbeaux pour cette rencontre qui devrait se jouer ce samedi. Je vous propose d'écouter Moïse Katumbi qui est au micro de Christopher Chitamba. C'est le message de la victoire et tout dépend de nous parce que nous sommes en train de préparer sérieusement l'équipe, mais nous avons besoin de l'appui de notre public, c'est le plus important. Donc c'est ce que je demande aux supporters, nous venons ici pour la victoire, parce que nous avons besoin de cette victoire pour continuer avec la Champions League. Et go! C'est le message de la victoire et tout dépend de nous, parce que nous sommes en train de préparer sérieusement l'équipe, mais nous avons besoin
de l'appui de notre public. C'est le plus important. Donc, c'est ce que je demande aux supporters. Nous venons ici pour la victoire. Parce que nous avons besoin de cette victoire pour continuer avec la Champions League. Et toujours en sport, hein, également cette nouvelle. Depuis ce mercredi 9 septembre, l'on signale le retour au sein de Tout-Puissant Mazembe de deux internationaux ivoiriens, l'attaquant Roger Claver Assalé, également le gardien Sylvain Gohou. Ce dernier, Sylvain, titularisé dans le bois des éléphants contre la Sierra Leone le dimanche dernier en éliminatoire de la CAN Gabon 2017. Voilà, mesdames, messieurs, fin de cette édition du journal. Je vous rappelle que dans l'actualité, ce 9 septembre 2015, eh bien, on a évoqué cette rencontre qui a eu lieu ce mercredi dans la résidence privée de l'OFOI de Moïse Katumbi. Le gouverneur de province a rencontré le consul général de la Zambie. Également dans ce journal, cet incendie survenu à l'entrée de la ville au niveau des arrêts Buscra. Un camion extra-long a pris feu suite à un court-circuit. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.